La coquille Saint-Jacques, signification spirituelle et symbolique. Plus qu'un simple coquillage, la coquille Saint-Jacques est un motif chargé de signification symbolique et de magie. Même si cette conque symbolise principalement aujourd'hui le pèlerinage vers Saint-Jacques de Compostelle, l'histoire de ce symbole est bien plus ancienne. Nous vous proposons de découvrir la signification spirituelle et le pouvoir magique de la coquille Saint-Jacques. Quelle est l'histoire de ce symbole ? La coquille est un vestige que l'on retrouve dans les sépultures dès la préhistoire et tout au long de l'Antiquité. Chez les premiers chrétiens, les coquilles placées dans les tombes étaient des symboles de renaissance et de résurrection. Parfois utilisées comme talisman pour attirer la chance, ce coquillage représente les eaux où il se forme mais aussi, plus largement, la fécondité que l'on associe à l'élément eau. Dans l'Antiquité, la coquille est un symbole d'amour car la mythologie raconte que la déesse Aphrodite ou Vénus est sortie des eaux. La conque est un attribut traditionnel de la déesse et le peintre de la Renaissance Botticelli a repris cet élément dans son célèbre tableau La naissance de Vénus. En raison de son lien symbolique avec l'élément eau, la coquille peut aussi représenter les eaux du baptême et la purification spirituelle. Il existe d'ailleurs des fonts baptismaux en forme de coquille ou ornés de coquillages comme celui de l'église Saint-Vincent d'Orléans. Dans les églises chrétiennes, de nombreux bénitiers ont aussi une forme de coquille et l'eau bénite qu'ils contiennent symbolise la renaissance des fidèles, l'entrée symbolique dans une nouvelle vie. D'où vient le nom de la coquille Saint-Jacques ? Tout le monde connaît aujourd'hui le coquillage qui donne les noix de Saint-Jacques. Mais saviez-vous que ce nom lui a été donné au XVIIe siècle ? Vraisemblablement parce que les pèlerins vers Saint-Jacques de Compostelle ramassaient les coquilles sur les plages de Galice ? Les pèlerins voyaient dans ces coquilles bien plus qu'un simple ornement à arborer lors de leur voyage retour. Ce coquillage était à la fois un talisman protecteur et un ustensile leur permettant de manger et de mendier sur la route. La coquille constituait même une sorte de certificat de pèlerinage, offrant certains avantages à ceux qui la portaient. Pour ceux qui étaient arrivés au bout du chemin, elle était la preuve du pèlerinage accompli. Elle permettait de distinguer les pèlerins des autres voyageurs. Grâce à ce signe distinctif, ils avaient droit à la protection des autorités et à l'aumône qu'ils recevaient en tendant leur coquille. C'est pourquoi ce coquillage est devenu et reste encore aujourd'hui le signe de reconnaissance des pèlerins sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Le logo du chemin de Saint-Jacques défini par le Conseil de l'Europe s'inspire de ce coquillage. Ce symbole qui sert à baliser les différents itinéraires a une forme de coquille jaune stylisée sur fond bleu. Comment utiliser ce coquillage dans vos rituels ? La coquille Saint-Jacques est un symbole commun à de nombreuses civilisations anciennes. Ce coquillage est lié aux eaux primordiales, à la création du monde, à la naissance ou la renaissance mais aussi à la fécondité et à la beauté. La puissante symbolique associée à ce coquillage peut bien sûr être utilisée au cours des rituels magiques. Vous pouvez par exemple poser une coquille Saint-Jacques sur votre altar ou autel domestique pour symboliser l'élément eau. Vous pouvez aussi l'utiliser comme un réceptacle ou un récipient. D'après les archéologues, ces coquillages servaient déjà de contenant aux hommes préhistoriques pour préparer les pigments indispensables à l'art pariétaire. Vous pouvez donc, comme les premiers hommes, utilisez ce coquillage pour faire brûler de l'encens ou toute autre résine lors de vos rituels de smudging ou fumigation purifiant. Un autre rituel de purification consiste à remplir des coquilles Saint-Jacques avec du gros sel et à les disposer aux quatre coins d'une pièce que l'on souhaite nettoyer de ses énergies négatives. En lithothérapie aussi, on utilise cette coquille symbole de pureté pour recharger les bijoux en pierre naturelle et les cristaux.